Quelque part, José, c'est une star. Mm-hmm. Et on peut le dire, quand il est rentré, ça fait très longtemps qu'il avait une émission très très suivie. Vous pouvez parler à tout le monde dans le métro, dans la rue, tout le monde sait qui est José Garcimore. Mm-hmm. Il a été imité par les plus grands imitateurs. Et quand on est tous rentrés dans ce studio, il y a un type qui a fait une ovation, c'est lui. Mm-hmm. Et il... Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Ça tient à quoi, selon vous? Ça tient à quoi, ça? Ça tient à ce que, à sa personnalité à lui, c'est une star, c'est quelqu'un qui, bon, il est star à sa façon, mais c'est une star. Regardez le nombre de magiciens ou le nombre de chanteuses qui ont fait des télés il y a un certain nombre d'années et qui sont totalement passées dans l'oubli. Lui, il ne sera jamais passé dans l'oubli. Il arrive 20 ans après, il est là, tout le monde, oh, Garcimore, José, ah, salut, etc. Il est arrivé là, tout le monde.